Pourquoi le Maroc ne sortira pas vainqueur de sa demi-finale contre l'équipe de France? Je t'explique ça dans cette vidéo. Maroc, équipe de France, c'est la rencontre qui nous attend mercredi à 20h pour une rencontre de demi-finale de Coupe du Monde. Ce qu'il faut comprendre tout d'abord, c'est que les deux équipes se sont affrontées uniquement deux fois dans leur histoire, à savoir une victoire pour l'équipe de France et un match nul. Les deux équipes, à savoir le Maroc et la France, sont deux équipes extrêmement redoutables parce que l'on le sait bien, pour qu'une équipe puisse atteindre les demi-finales de Coupe du Monde, il s'agit effectivement qu'elle soit une équipe tueuse. Le Maroc. Parlons du Maroc. Le Maroc ayant un système de jeu très atypique, c'est-à-dire jouer défensivement avec un bloc médian suffisamment bas et à la moindre réception de balle, à la moindre récupération de balle, se projeter rapidement dans la surface adverse et lui apporter du danger. C'est grâce à ça que le Maroc a pu notamment vaincre les différentes équipes qu'elle a eu à affronter, à savoir le Portugal et l'Espagne. Entre autres, l'équipe du Maroc se base également sur une qualité de ressortie de balle énorme que possèdent ces différents joueurs. Je citerai entre autres Boufal, Amrabat, Atiala ou encore Achraf Hakimi ou Hakim Ziyech. L'équipe du Maroc possède une équipe suffisamment forte au niveau de la récupération de balles et de la ressortie de balles pour pouvoir infliger des dégâts sérieux à ses adversaires. L'équipe du Maroc est également une équipe possédant une défense de fer, à savoir c'est l'équipe qui a concédé le moins de buts dans cette compétition, à savoir un seul but. Et là, ce n'était même pas un but concédé par l'adversaire, mais c'était effectivement un but contre leur propre camp. Mais une des questions que je me pose, c'est de savoir, cette équipe-là qui a été habituée à toujours ouvrir le score dans ses matchs, qui a été habituée à ne jamais être menée dans un match, quelle sera sa réaction tant sur le plan qualitatif, tant sur le plan tactique, mais également sur le plan mental, si elle venait à encaisser le premier but? Là est mon interrogation sur la qualité mentale et la qualité physique de ces joueurs-là. Cette équipe-là qui contient également énormément de blessures et énormément d'absents, notamment Romain Saïs ou encore Masraoui, ces joueurs-là qui font partie d'une ossature de cette équipe-là du Maroc. La question est de savoir, est-ce que le Maroc, après être sorti de 120 minutes contre l'Espagne ou encore de 90 minutes pleines face au Portugal, sera physiquement prête et physiquement affûté pour pouvoir affronter une équipe de France qui, tant sur le plan physique, tant sur le plan qualitatif et tant sur le plan tactique, vont lui imposer un rythme de jeu? Est-ce que cette équipe-là, une fois menée, sera capable de revenir au score ou sera capable de conserver leur rigidité défensive même après avoir encaissé un but? Est-ce que cette équipe-là pourra répondre à toutes ces interrogations-là? Telle est la question que je me pose. Et j'aimerais bien dire, c'est franchement une découverte que je ferai. C'est une chose que j'aimerais voir, savoir si cette équipe-là est dotée d'un mental suffisamment aguerri, suffisamment fort pour pouvoir surmonter cet épisode. De son côté, l'équipe de France contient une équipe qui est suffisamment sûre de ses capacités, ancien finaliste de Coupe du Monde, détenteur de la couronne du champion de la Coupe du Monde 2018. La France arrive en demi-finale, certaines de ses capacités ayant conservé une ossature suffisamment bonne, n'ayant perdu pratiquement aucun de ses joueurs sur blessure et possédant également un trio et un milieu de terrain hors pair, à savoir au milieu de terrain, chaque match, chaque jour que nous voyons cette équipe jouer, on constate et on voit qu'on a une évolution drastique sur les capacités des milieux de terrain français. J'aimerais parler notamment d'Antoine Griezmann qui est revenu quasiment à l'un de ses meilleurs niveaux auxquels on ne l'avait plus vu. En outre, on peut également citer Aurélien Tchouaméni ou Adrien Rabiot. En attaque, nous avons Ousmane Dembélé qui est épargné
dernier deux blessures sur cette compétition-là. C'est complètement fou quand on pense au passé avec un Ousmane Dembélé qui était quasiment blessé chaque match. On a également Olivier Giroud, buteur décisif dans la rencontre contre l'Angleterre, et un Kylian Mbappé qui sera opposé à Achraf Hakimi dans cette rencontre-là de demi-finale de Coupe du Monde. Les deux amis se retrouvent en Coupe du Monde. Qu'est-ce que cela va donner? Qui sera le plus rapide des deux? Est-ce que Achraf Hakimi sera capable de contenir Kylian Mbappé sur ce couloir droit? Telle est la question. Le seul point faible pour moi de cette équipe de France-là est à savoir sa défense, surtout ses joueurs de couloir, à savoir Jules Koundé qui sera face à un Sofiane Boufal tout feu, tout flamme, ou encore Théo Hernandez qui sera face à Hakim Ziyech. C'est ces interrogations-là qui me posent problème. Et à savoir si ces deux équipes arrivaient au tir au but, nous sommes très conscients que le gardien marocain est plus affûté dans cet exercice-là que Hugo Lloris. Donc pour moi, dans cette rencontre-là, il sera important pour l'équipe de France de marquer le premier but pour pouvoir mettre cette équipe du Maroc dans une situation où elle n'a jamais été. Car l'équipe de France réussira à marquer pour moi en premier et réussira à conserver le score dans cette rencontre-là. Il est certain que le Maroc n'aura pas démérité sur cette compétition, mais pour moi, les Marocains, les Lions de l'Atlas s'arrêteront en demi-finale. Je suis désolé mes amis marocains, c'est avec un très grand regret que je le dis. Prenez cela pour, c'est juste un pronostic, donc dans les commentaires, soyez sereins et continuez de supporter votre équipe et que le meilleur gagne. Peace.